acheté, hein, c'est bon, ils m'ont vu. Je pense qu'on va voir au répète comment ça se passe. Hein. Normalement, c'est le troisième jeu. C'est ça. Oui, c'est 7 minutes, c'est bon. Hein. Il y a Thierry qui tient tout. Le tout, c'est quand même, sinon, dès que c'est fini, c'est de redescendre. Yeah.
Yves Launois. Yves, as-tu un microphone? Peut-on avoir un micro pour moi, puisque je lui donnais à Yves celui-là? À moi, tu me donnes le rouge. Yves, dans combien d'heures on peut faire la générale? Moi, j'attends depuis 14 heures. Nous cherchons le petit Fabrice. Cherchons A. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur des jeux doivent savoir à quel moment, à quel endroit ils interviennent. Bon, hier j'ai dit une petite erreur. Vous allez vous habiller ce soir là-bas dans les halles. Ça sent un petit peu le poisson, mais c'est normal. Et... Fabrice, tu es au courant? De quoi? Monsieur Flint t'a expliqué? Oui, oui, Maïs. Autant que les gars, le déboulant. Ah, bien sûr, dans son sens, madame, dans son sens, la première partie, elle a perturbé la route de deux officiers. Ensuite, dès qu'ils ont réussi à faire chier ce cercle roulant, on s'est dans la reine. Et là, bien entendu, dans la reine, notre ami, la fachette, va perturber le cours des événements. Monsieur Louvain, pouvez-vous venir me voir, je vous prie? Il y aura un plou pour les sirènes. C'est dur de répéter qu'il n'y a pas les trucs là.
Oui. Oui, il y a un plot, il attrape. D'accord, il attrape chacun un sac de poudre. Il se classifie dans leur panneau respectif. C'est là, il y a cet étape à respecter. Attention, si vous ne les respectez pas, vous serez disqualifié. Vous devez monter sur le petit plot qui se trouve devant votre canon. Messieurs les artistes ici, vous devez remplir votre canon de la poudre qui se trouve dans les sacs. Vous ouvrez le sac et vous mettez la poudre dans votre canon. Vous mettez, vous chargez, comment on appelle ça, vous courez la poudre. Avec le gros poudre, vous mettez le poulet, et là... Explication. Oui. Ben, ce sera un peu moins long, mais ce sera... Vous évitez de passer sur le plan... Allez, top départ. Est-ce qu'on lâche la vachette? C'est parti. Non, 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 on lâche pas la vachette. 2, 1, top, c'est parti. Doucement, doucement, doucement. Vous évitez de passer sur le grand plan. Vous évitez. Passez. Au cul, la balayette. Non, dans les oreillettes. Au cul, là. Là. Oui. D'accord. C'est tout ce que t'as prévu? Hein? Voilà. Et c'est pourtant pas compliqué, tu peux te claquer dans les doigts. Tiens, voilà, Nathalie est explosive. 1, 2, 3, clac. Nathalie est explosive, attendez. Alors on le fait pas, nous, alors, qu'est-ce que c'est? Non, non. Non, tu ne le fais pas. Non. Alors, me dérangez pas. On te dérange. Ok, ensuite, donc, Olivier, on fait le résultat. Donc, comme vous faites, un résultat, c'est fait que vous venez derrière. Ok, donc vous le savez, le résultat, je donne 1, 2 points de plus pour l'un. Le score est donc de Shaq contre Shaq et de Sting contre Shaq. Et d'ailleurs, Nathalie, l'explosif va nous exploser tout de suite le mur qui est derrière nous. 1, 2, cling. Formidable. Voilà. Merci. Clotilde, tu fais ton record la semaine dernière. Alors, Bruno. Ok, je te laisse. Cholet s'envole. Cholet s'envole. Hein. Regarde, retour Cholet. Regarde, Cholet, retour Cholet, s'il vous plaît. Non, il y va, Cholet. Ah, il s'est arrêté, attention, retour. Attention, attention, faut pas céder des jambes, hein, Cholet. Mais il n'ouvre pas des jambes, mais où t'as vu qu'il cédait des jambes? Ah, bah, ne essayez pas d'influencer l'arbitre, monsieur Jean-Pierre, s'il vous plaît. Regardez, il cède des jambes. Pourquoi tu veux qu'il cède des jambes? Ah, j'ai bien vu, regardez, il est sur les genoux. Il est sur les genoux. Ouais, juste, c'est pas simple. Juste avec les bras. Sur la tête des jambes, c'est. Et voilà. Bon, la minute, c'est donc Cholet qui remporte son premier défi. Un point de plus pour Cholet, donc le score de Sting pour Cholet de Shaq. Pour le Puy du Fou. Mais vous le savez, il y a le trophée du meilleur grimpeur que je vais faire sur qui, Gilou? Là-bas. Sur Jacques, c'est bien ça? Parle-moi dans l'oreille. Ok, super. Donc le trophée du meilleur grimpeur, vous le savez, c'est en fait le candidat du défi qui aura été le plus vite sur le grand plan pour les 9 premières émissions. On retrouvera en finale, grâce à notre partenaire du Super Event, bien sûr pour la finale le 6 septembre. Et le but de mouchoir. Et comme vous l'avez dit, je ne sais pas si tu l'as dit, mais les enfants seront à l'honneur ce soir encore sur Internet. Alors je suis avec les enfants de la ville de Cholet. Et de l'autre côté de la piscine se trouvent les enfants de la ville. Alors on ne dit pas. Les enfants du Puy du Fou. Les enfants du Puy du Fou. D'accord, je ne dis pas de la ville. Hein. Ah non. Tu dis pas ça. Et pourquoi vous avez. La communauté. Ah oui, de Cholet. C'est que les enfants de Cholet. De ce gigantesque mouchoir. Regardez, allez les enfants, on déplie le mouchoir, voilà. On devra actionner à l'aide de ce gigantesque mouchoir les rouleaux, les cylindres qui se trouvent sur la piscine. Alors je vous montre ce qui va se passer. Oui. Voilà. Oui. Allez, tiens. Tchac. Oui. Oh, oui. Au top départ. Oui, Nathalie. Un cyrano de. Merci du tout. Allô. On se fait ça très fort ce soir. Quand t'es dur, on est dedans. Bonjour, Pierre Pignot. Prends comme ça. Allez. Oh, allez, vite. Allez-y, toi. J'ai rien avec lui, je suis plus contre ça. C'est quelqu'un qui est parti. Ah, et qui va tenter de coiffer les soldats vendéens qui attendent au couvre-chèque poil à la taille d'un chapeau. Ah.
Alors bien sûr, le soldat peut tomber. S'il tombe, bien, il y a deux constructeurs qui peuvent le remettre. À la fin de chaque manche, on va regarder le nombre de soldats vendéens qui sont encore debout et coiffés de chapeaux. Bien sûr, l'équipe de grand maximum rapportera un point. Ok. Oui, Gérard. On y va. C'est pas ça? Est-ce qu'on peut avoir une coordination sur ce qui se fait sur le plateau ou bien on ne peut pas? D'accord, il y a une foule de monde qui est là. On peut dégager une foule de monde. Bon, Gilles, donc je fais l'explication. Et voilà, il y aura un garçon volant. Et on a un cobaye, comme d'habitude, c'est Olivier. Et au moment où il va avoir un chapeau, tiens, on le lâche. Un papou. Un papou. Sur le tapis là. Rapidos, on le descend, il faut être ordonné, hein. J'explique que les chapeaux seront amenés un par un par le gendarme un petit tour dans l'arène. Donc bien sûr, dès qu'il est arrivé, un soldat court dans l'arène avec un chapeau, les chapeaux tombent, ils n'ont pas parce que j'ai récupéré exemple 10 chapeaux dans l'arène, sans qu'ils n'ont pas été cherchés. Si on n'est pas capable de le faire, on ne le fera pas. Vous l'étiez tombé à la manip avec Olivier. C'est bon, on ne fera pas Olivier. Donc pendant la pub, on équipe le premier candidat et on équipe pas Olivier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais... Ouais, est-ce qu'on est prêt pour le départ? Ouais, non, mais là, il faut que le mec soit... D'accord? Je fais l'explication avec le mec, d'accord. Elle a raison pour le départ? Bien. Tu vas chercher le chapeau, un par un, hein, on est d'accord? Voilà. Mais attendez, il n'y a aucune raison que le gars soit déjà en train de voler alors qu'il n'a aucun chapeau. Vous devez le lâcher. Il y a d'abord la reine. Allez. Hop. Donc tu vas donner le chapeau. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et alors, Philippe Lévigné, de vos côtés, le service technique. Nous allons parler plus en détail, etc. Merci, monsieur Lévigné. Et puis la petite âme est un brochoir qui va commenter le film pour lequel, bien entendu, vous allez voter dans quelques instants. Regardez. Ses balades de fauconnerie en vol libre, ses villages reconstitués, ses lasers et ses spectacles. Bon, en plus, c'est ça. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, il y a Gérard, Jean-Pierre, ils donnent son adresse de film et du coup, il y a des canards derrière, il y a le costard, et puis, il faut une part. Ce qu'on peut faire, Fabrice, c'est éventuellement se retrouver quelque part avec nos... Oui, vous allez nous trouver une pelle, peut-être. Vous pouvez vous retrouver au centre avec vos joies et vos canards dans le sédicat et vous lancer le jeu de l'âme. Oui, ça pourrait être rigolo, ça. Sinon, alors, c'est votre famille. Un cavalier, un cavalier. Je rappelle, j'arrive en rappelant le score là. Hein, j'arrive le mouchoir à la dame Catherine. J'arrive en rappelant les scores à cheval, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Nathalie? Absolument.
Le plus possible au fond, les gars. Le plus possible. Tu veux, gentiment. Ça passe derrière. Au moins, là. Les gars, vous n'avez pas besoin d'être quatre derrière pour être au milieu. Bon, j'ai 4 pas, je sais qu'il y a 4 pas par celui ici. Donc tout de suite. Ok, on y va. David, un peu là. Moi je commence 16h, on est d'accord. On met tout d'accord. Bien, nous voici, et nous voilà. Oui, nous voilà. À vous, Cognac G. À vous, Cognac G, débrouillez-vous. C'est vraiment très fort. C'est même inutilement fort. N'oubliez pas que le bruit rentre. Eh bien oui, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Foucault, tranquillement à cheval. Ils arrivent quand les autres? Au bord de la piste. On va attendre, alors, on va attendre... Entièrement nu, accru, disons-le. On va attendre les... Sur le vestibule. Les bons chevaux, parce que ceux-là sont les... À cheval, sur le réseau. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Si on le fait, ils sont en train de se faire. Mais tu jures. Mais non. Allô. Allez, sans moi. Avec une lance, si vous voulez. Avec une lance, allez. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, Nathalie! Sortez de la reine! Si t'es pas bleu, vas-y! Sortez de la reine! On descend! Merci, vous vous rendez compte qu'ils sont éveillés, malheureusement, ils ne sont pas éveillés comme des vrais chevaliers, on ne doit pas! Ils sont un petit peu négligés, on ne doit pas pouvoir, les amis! Ils montent le Laurent, le Stéphane pour Laurent, ce Stéphane pour Laurent, ils se disent, ils ont l'air de la détournement, les Stéphane pour Laurent! J'espère que ce sera! Mars, tu m'entends? Tu sais, ça, ça, une fois éveillés, ils vont retrouver la piscine pour aller chercher leurs amis et se réveiller. Donc là, je ne vais pas faire la traversée parce que sinon je vais encore en un. Vas-y Nathalie. Ils vont de l'autre côté de la piscine, ils récupèrent leurs amis, ils se réveillent de l'autre côté de la piscine. Je vous rappelle qu'ils sont de partenaires, hein, ça n'a pas être simple. Ils reviennent ici, habillés, s'ils sont pas bons, ben, ils font comme ils peuvent. Hein. Ils ressortent. Et là. Et là, tu me le donnes, Nathalie. Mais là, il y en a quelqu'un. Et là, je t'attendrai avec le cheval. Ah, c'est Olivier. Et là, il y a quelqu'un. Oui, mais. Alors, là, ils ont toujours avec eux le deux chevaux qui sont en train de faire la reine. Tous les deux, ils sont envoyés en faux chevalier. Ils donnent le deux chevaux. Tu viens? Attends, le cheval. Ah, d'accord, d'accord, je ne connais pas encore, d'accord. Une fois qu'ils sont habillés avec leur chemin, ils sont tous, ils réenfourchent. Là, c'est la maison, elle va passer le lit, elle va enfourcher la chemin et ramène le mouchoir à la dernière. Il y aura 5 départs, et à la fin de cette manche, on comptait le nombre de mouchoirs qui sont arrivés les premiers
18h06.
Mais qu'il est à l'endroit. De Casal, t'en prends deux jeunes, hein, presque plus déjà. Que tout le public rentre et il va y avoir une ambiance. On nous a dit que dans la région vous étiez, notamment au niveau du basket, un des plus merveilleux publics de France. Je sais pas, on va voir, je demande à voir. Vous savez que nous avons Yeah.
savent faire de la place pour les plus folles et les plus folées. On va... Bon, ça y est, il y a des places, il y a des places. Il y a des places. Allez-y. 1, 2, 3, à gauche. Vous savez, les plus folées, si vous êtes aussi serrés, vous allez gagner. En ambiance, en ambiance. Ça va, Cholet? Cholet, vous êtes en forme? Ah. Olivier va compter le nombre de mouchoirs
pour le Puy du Fou. Cholet, c'est ça. Pour Cholet, pardon, donc on passe le Puy du Fou. Et la deuxième manche avec Cholet. Vous avez tout compris? Voilà. Deux fois en jeu, Fabrice est nouveau jeune pour recoller un petit peu parce que 5-0 pour l'instant. Oui, c'est sauvage ce soir. Ah, je sais, c'est comme ça. Je vais donner le départ. Ah, mais nous sommes, je reconnais, nous sommes très forts, Fabrice. Je ne crois pas du tout. Je vois cet homme, un Cyrano depuis du fou qui tente de passer les enfants du Cholet. Oh, c'est le déchet de l'Emmanuel au Cholet. Il le passe. Admirablement, c'est bon. Un Cyrano extraordinaire qui passe pour le Cholet. Je connais, je sais reconnaître. C'est honnête. Oh non. Ils doivent passer sur les cylindres. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font. Bien sûr. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, plus qu'elle me dit. Venez vous reprendre. Et là. Il semblerait que ce soit quand même un jeu relativement facile. Tiens, il a raison. On se reprend. Il faut tirer, les enfants. Il faut tirer. Allez, hop. Merci, Raymond de Chalet. Je me taisais. C'est une honte. Je m'élève avec véhémence contre votre attitude, mon cher Fabrice. Je ne dis rien, je pense. Allez, Chalet. Allez, Chalet. Fabrice, mais non, mais ne faites pas ça, chanter. Ça glisse, c'est pas normal. Regardez dans quel état c'est. Oui, mais vous, mesdames, messieurs, faites quelque chose. Vous ne faites pas ça, vous. Attendez. C'est bien ce que je dis. Il y en avait, regardez. Comment vous le croyez? Allez, top, on peut aller dans l'arène. Tu peux aller dans l'arène. Olivier. Dîner. Extraordinaire. Alors, vous avez Olivier de la propriété de vide, alors. Départ terrible, épreuve terrible que c'est. Tiens, ça glisse plus. Eh ben non. Allez, Cholet, on s'habille rapidement. Joli Cholet. On reprend la tête, Cholet. Il y a eu un peu de...
obstruction, c'est coup franc. Olivier, il y a une obstruction. Non, non, du coup, je suis au roi avec Madame Catherine, je vois bien tout ce qui se passe, il n'y a pas d'obstruction, on recommence vite. Voilà, allez, on met ses uniques, Allez, le pied du fou. Attention, il faut que Dame Catherine... Allez, Cholet, Brine. Allez, Cholet. Que se passe-t-il maintenant? Départ suivant. Hey. 3, 2, 1, go. Arrivée des cavaliers. Et hop, plus loin, Allez, le pied. Il part trop près. Et ralentissez-moi ça. Attention, Cholet. Regardez comment il fait. Ensuite, il prend la tête. Il passe devant. Il va rapidement enlever ses pantalons. Il jette tout le monde. Allez, le pied, il faut le doubler. Ne laisse pas avoir Cholet. Avance, Cholet. Encore une complication administrative. Mais non, mais c'est la même chose que le coup du fou. C'est à égalité. Vous voyez la sagesse de l'arbitre. Grosse difficulté de notre ami Cholet. Et voici que le coup du fou est largement servi sur le cylindre. Il faut que tu ailles en avant, Cholet. Mets tête en avant, vas-y. Prends l'élan, tête en avant. Enlève ton pantalon, Cholet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est terrible pour nous. Va-t-il le transmettre? Oui. Top, c'est fini pour cette manche, Cholet. On donne un autre départ à Nathalie. Une partie exceptionnelle. Et cette ici, à mon avis, va être exceptionnelle. Et Fou et Cholet sont à égalité pour l'instant, j'ai l'impression. Ah, ennui technique. Cholet, ennui technique. Olivier. Ennui technique. Pour Cholet. Si tu vas à Rio, il fait bon Jean-Pierre. N'oublie pas de monter là-haut. Bah non, ça c'était pas. Voilà, bien joué. Pour l'instant, la situation ne semble pas claire. Cholet a un avantage, mais le pied du fou va-t-il revenir? Il va à la cueillette. Trop attaché. Il faut le porter, attention, Cholet. C'est trop solide. Cholet, non, il ne le porte pas. Cholet, pas valable. Cholet, Cholet. Il n'est pas valable. Il faut le porter, là. Il faut le porter. Ça y est, on l'a porté. On attend que le pilifou se dessine. Pilifou, il faut rester sur le truc. Attendez, Cholet. Mettez main. Eh oui, on est obligé de neutraliser. Oui, on va aller, Cholet. Attendez, dessous. Allez, vite, le pilifou. On perd la tête à droite à gauche. Vite, vite. Il y a un mec pour le pied du fou et c'est gagné. Les problèmes existentiels ne sont pas réglés. Le pied du fou. Le pied du fou. Exactement. Allez-y, d'accord. Le pied du fou. Le pied du fou. Quoi, le pied du fou? Quoi, le pied du fou? Le pied du fou. Remporte la première manche de son jeu, c'est à dire le fait de pouvoir mettre sur ses yeux en entier. Là-bas, au fond de l'arène. Je vous dirai ça à la fin du jeu. Et voilà. Allez. Sortez, parce que... Michel. C'est parti. Allons-y. C'est la main. Allez, c'est parti. Et hop. Le
achète en Vacholet. Oh, à chaque fois, me je tremble. Juste une petite précision, Jean-Pierre et Fabrice. Oui. Si le zébulon n'est pas debout, mais éventuellement couché sur la chaise à porteur, ça fonctionne également. Ça compte également? Oui, mais ça comptera là cette fois. Pour l'instant, il est courageux de sauter. Il est courageux de sauter et il se redresse. Oh là là, oh là là. L'appui du cou dans la même situation. Elle s'acharne. Non, elle abandonne. Professionnelle. Il faut des choses que nous serions bien incapables d'accomplir. La vache est hésitante. Oui, elle a le choix entre vous, mon cher Fabrice, oui, et Chollet. Oui, moi je resterai prudent, dites-vous. Oui. Vous serez une lâcheté sans faire. Et une nouvelle fois, ils s'attaquent à votre groupe. Eh oui. Les nôtres sont attaqués lâchement. La vachette hésite. La vachette a les cornes dorées, ce sont les plus terribles. C'est le monde d'or, vous le savez bien. Jean-Pierre et Fabrice, il est si au bout. Si au bout de quelques minutes, on voit que ce n'est pas possible, on accordera aux émulons de venir sans chaise à porteur directement. Oui, bon, d'accord. Mais je donnerai un top pour ça. Oui, alors, faites-le. Terrible difficulté à vaincre de tous les côtés. On a du mal à se redresser, je crois qu'il va falloir choisir votre solution, Olivier. C'est-à-dire y aller sans chaise à porteur. Ok, alors, je donne le top. Oui. Un zébulon à la fois seulement. Un zébulon de plus du tout, un zébulon de Cholet ont le droit de venir sans chaise à porteur. Alors, un rapide point de la situation qui est catastrophique. Le puits du fou a une chance. Cholet en tête tout de même. Oui, Cholet, vas-y Cholet. Oui, Cholet. C'est Cholet qui vient de passer le haut. Et qui va... Ils se sont trompés de char. Ils se sont trompés du coup. Hop. Le puits du fou. Le puits du fou est sur Cholet. Top pour Cholet également. Top pour Cholet. Allez, le puits du fou. Vas-y, Cholet. Ne perds pas la tête. Allez, Cholet. Ne m'expliquez pas. C'est une évidence. Il pouvait y avoir également tous les porteurs de Cholet. Ce n'est pas ma faute si les porteurs de Cholet ne sont pas allés dans la rue. J'ai dit que tous les porteurs pouvaient y aller. Oui. Et monsieur le maire n'est pas d'accord. Monsieur le maire est bon joueur, mais n'est pas d'accord. Mais écoutez, monsieur le maire, j'ai bien dit tous les porteurs peuvent aller aider les émulons. Et il y en a eu 4 pour le plus du fou, seulement 2 pour Cholet. Mais ça n'est pas de ma faute. Je ne gère pas l'équipe de Cholet. Donc le point de cette deuxième partie du cinquième jeu va au plus du fou. Nous allons aller du côté du fil rouge, du côté des Mogettes, pour savoir où ça en est. Mais l'émission est loin d'être terminée et les jeux ne sont pas faits encore, Fabrice. C'est vrai. On a déjà vu beaucoup de matchs basculer. Alors, pas serein, vous savez, la fable du lièvre et de la tortue est connue. En effet, Fabrice. Et c'est dans quel sujet? La fable du lièvre et de la tortue est connue.
La jeune fille qui est à côté de vous, Fabrice, va gagner les Joe Jones de TF1 avec une console de jeu, la cassette en indien dans la ville et les fameux Joe Jones de TF1. En attendant, vous pouvez vous jouer et gagner les mêmes fameux sur Minitel. Voilà, en téléphonant au 36 68 18 08, ou bien 36 68 18 08, voilà le 36 4.
à Cholet avec les chars, les carnavaliers qui étaient autour. Eh bien, l'équipe de Jean Rabin, un grand bravo aussi. Félicitations à eux, applaudissons-les. Oh pardon, c'est la malédiction Marie, elle est dans sa soeur.